Papa Ismaël. Je l'appelle le dinosaure. Il est celui qui est sur tous les terrains. Il va faire nos purifications. Il est fatigué. Il est toujours là. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Papa Georges Esso. Lui, c'est le dernier des dinosaures, le dernier mouton. Le dit-cap. Le dit-cap de pas de tout. Papa Clément, je l'appelle de ce Clément. Il est le seul qui corrige tout le monde. Je corrige tout le monde. Je ne savais pas à ce moment. Je suis professeur. Papa aime à quoi? Le pile. Le pile. Son escorte l'accompagne. Le plus jeune des anciens. Lui, il a été mon enseignant. Il a été mon encadreur. Il est celui qui me dit que j'ai fait la joie pour le commencer. Il est violent, il est zélé. Parce qu'il aime les bonnes choses. Lui, c'est Papa Pico. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Il a donné de son temps, de sa vie à l'oratoire. Il mérite qu'on l'applaudisse énormément. Le dernier, c'est Papa Didier. Il ne fait pas partie des vétérans, mais on l'appelle à cause de la force de son cœur, cette charité que Marie-Mère de la Charité Chrétienne nous enseigne. Il m'a approché, il m'a dit, Nathalie, nous sommes vieux, nous ne pouvons pas nous mettre en rang pour aller manger. Nathalie, chaque fin de mois, je veux te donner un petit quelque chose que tu vas préparer pour les papas. Ça, ça s'applaudit. Cette dimension de charité s'applaudit. Lui, c'est Papa Didier. Donc voici les vétérans, il y en a d'autres, il fallait choisir quelques-uns.